Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour faire des petites cartes, mais des cartes toutes simples, avec que du matériel de chez Action. Pourquoi je fais ces petites cartes? Puisque j'ai retrouvé des enveloppes comme ceci, que j'avais trouvées chez Noël. J'en ai pas mal. Je me suis dit, il va bien falloir que je les utilise. Donc, du coup, je suis partie à faire des petites cartes comme ceci pour les mettre dans l'enveloppe, dans les enveloppes, tout simplement. Ensuite, enfin, j'ai pris que du matériel de chez Action, puisque j'ai pas mal de papier. Et du coup, je me suis lancée à faire des cartes, mais c'est vraiment des cartes très, très simples. Vous avez par exemple celle-ci. Alors, juste ce qui ne vient pas de chez Action, c'est le petit tamponnage ici où j'ai marqué un petit coucou. La seule chose est l'encre du coup. Ouais, l'encre ne vient pas de chez Action. Mais vous avez peut-être d'autres tampons et d'autres couleurs d'encre pour aller avec cette carte. Donc j'ai fait celle-ci sur du papier aquarelle, puisqu'il me restait deux feuilles, je crois. Je me suis dit, allez, on les utilise. Donc feuilles aquarelle, parce que c'est assez épais. Et tout le reste que de chez Action. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. Comme je vous ai dit, c'est très très simple. Mais vraiment pour utiliser le matériel que l'on a à la maison. Et j'ai fait celle-ci. Voilà. Donc, on va tenter de refaire à peu près la même chose. Pour ce faire, on va déjà utiliser une base de feuilles blanches. Donc, moi, les feuilles blanches. Je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé. J'ai pris ça là-dedans. Vous voyez, je viens de les finir. Il m'en restait quelques feuilles dedans. Je les ai finies. On va les couper. Je garde aussi, au cas où, le dos de ces blocs-là, puisque pour faire des mini-albums, pour celles qui n'ont pas de calendrier ou quoi que ce soit, ça, vous pouvez donc les coller deux par deux et ça vous fait une bonne structure d'album. Donc, je les garde aussi de côté. Ce genre de produit, ça peut servir. Donc, vous prenez les feuilles blanches. Ensuite, pour les feuilles déco. Pour les feuilles déco, je vais utiliser des feuilles dans ces blocs-ci. Je dois en avoir 3 ou 4, pas les mêmes, mais j'ai 3 ou 4, voilà, je les ai tous achetés. Et du coup, il y a pas mal de papier à l'intérieur. Donc là, je crois que je l'ai utilisé dans ce bloc-ci. J'ai sorti quelques autres feuilles, vous voyez, celles-ci qui me plaisent pas mal. Et je me suis dit, voilà, on va essayer de faire un petit quelque chose avec. Donc il vous faut ça. Et pour les feuilles de couleur, vous avez le choix entre ces blocs-ci, où vous avez différentes couleurs de papier avec différents motifs et aussi différents grammages. Mais bon, là, pour ce qu'on va faire au niveau du grammage, c'est pas méchant. Mais vous avez pas mal de couleurs. Donc, dans cela, ou alors vous avez aussi cela. J'ai dû prendre, je crois, pour faire ces feuilles, ces cartes-ci, j'ai dû prendre dans ce pad-là, il me semble. Donc voilà, donc là, c'est que des feuilles de couleurs et de différentes couleurs. Donc ça, c'est pratique. Donc si vous avez ça, on peut commencer à faire ce genre de carte. Ensuite, en dies, j'ai pris dans ces dies-ci, j'ai pris le papillon pour faire les cartes. Et j'ai pris ensuite deux dies. Alors, je pense que ça, c'est bien de chez Action. Donc j'ai pris un petit cercle. Donc, celui-ci, par exemple, il fait à peine 5 de diamètre. Et celui-ci, il fait un peu plus de 5. On va dire 5,5. Voilà, en diamètre. Et puis, c'est tout. J'avais sorti ceux-là, mais je ne vais pas les utiliser. Quoique, non. On va pour changer. Je ne sais pas. J'ai sorti deux autres dies comme ça. Je les mets de côté. Je vais voir ce que je vais en faire. Donc, on part déjà sur la base de cartes blanches. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez des feuilles blanches. Moi, j'ai pris celle-ci. C'est vraiment pour finir mon paquet de feuilles. Après, j'ai d'autres paquets. Mais moi, pour les finir, celle-ci. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a un peu de colle ici. Mais c'est pas méchant. Alors, on y va. On la prend dans la longueur et on coupe à peu près à 14,75, mais on n'est pas à quelques millimètres près. Je vais même la couper un peu plus pour enlever ici la colle. Voilà. Et ensuite, on fait à 10,5. Comme ça, vous n'avez pour celle-ci
pas de chute de papier. Vous utilisez entièrement votre feuille blanche. Donc ça, c'est pratique, pas de chute. On a dit 10 et demi. Donc là, je vais regarder ici parce que c'est au niveau de la colle, ça m'embête un peu. Donc je vais recouper quelques millimètres. Histoire d'enlever la colle. Mais ça ne va pas chambouler toute la carte. Hein. C'est vraiment voilà, pour enlever le surplus. Donc vous avez 4 cartes. Base de cartes. Ah oui, celle-ci, elle est un petit peu abîmée. Donc je vais arrondir mes angles. Donc là, j'en ai déjà coupé, mais celle-ci, je les ferai plus tard. Donc, on va tenter de faire 4 cartes. Alors, je vais les prendre comme ça. Donc là, sur ces cartes, enfin, sur les feuilles, là, vous avez un côté qui est texturé et l'autre qui est tout lisse. On va coller nos produits, enfin, les papiers sur le côté rugueux. Voilà. Et j'ai choisi, du coup, pour faire ces cartes, j'ai choisi ces deux papiers-ci. Donc, juste deux couleurs. Et on va... est-ce que je vais prendre modèle là-dessus? Ouais, je vais prendre modèle là-dessus. Malgré qu'il n'y a pas vraiment, vraiment besoin de dimension. C'est juste... on va essayer de faire ça comme ça. Par exemple, sur celle-ci, j'ai pris combien? On va faire 9. Allez, on va faire 9. Et puis, on garde bien les chutes. On va essayer de refaire comme j'ai fait sur, avec les 4, de tout utiliser. Et vous voyez, pour les 4 cartes que j'ai faites, là, il me reste juste un petit morceau comme ça. Donc, ça va. Alors, on a fait, on a dit 9. Donc là, je vais couper à 9. Donc, pour celle-ci, donc ça viendra se mettre dessous. Et on avait fait, enfin, j'avais fait combien? J'avais fait... 10. Donc on va couper à 10. On va couper à 10. Voilà, donc là on a ici, on va coller ça comme ça. Non, pas comme ça. On va la mettre comme ça. Donc là, ça fait 9, on a dit 9 par 10, 9 par 10. On va le couper un peu plus grand, celui-ci, le papier déco. On va faire du 9,2. Non, c'était pas ça, on va la couper moins, pardon. On va faire 8,8. Et là, c'était 10, donc on va enlever 2 mm, donc 9,8 à peu près. Je vous dis, on part à quelques millimètres près. Et celle-ci, je vais peut-être la mettre comme ça. Ça va changer. Je vais la mettre comme ça. Ici, je vais faire ma découpe de papillon, ainsi qu'une découpe avec les cercles ou les ovales. Je vais voir. Mais il va falloir que j'écrive quelque chose dessus. Donc, je vais voir. Donc là, on a une première carte. Alors, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire comme vous voulez. La coller soit comme ça. Ou la décaler comme j'ai fait sur la carte. On a deux choix possibles pour cette carte. Mais on va mettre ça de côté pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme carte? J'ai ça du coup qui me reste. Et j'ai ça. Hop, est-ce que je peux faire... Enfin, on ne va pas reproduire hein, tout à fait la même, ce serait dommage. Hop, toc. Ben, ce que je vais faire, je vais la garder comme ça. Vous voyez, ça me fait... Voilà, comme ça, je ne perds pas de papier. Je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais la mettre comme ça. Ou même le contraire. Allez, on garde celle-ci, on la met comme ça. Hop, donc, il nous reste deux cartes et deux produits comme ça. En sachant que sur celle-ci, il faut nous garder un peu de marge pour faire les découpes. Donc, bah, je vais faire quoi? Ouais, comme ça. Ici, sur celle-ci, j'avais fait quoi? J'avais fait 5 cm.
Allez, on va prendre 5 cm pour celle-ci. Alors, 5 cm. Celle-ci, et du coup, celle-ci, je vais la diminuer un tout petit peu. Donc là, comme on était à 5, on va enlever à peu près 2 mm. Voilà, ça fait 5. Et du coup, on est sur du, je ne sais plus, 14,75, je crois. On va faire 14,5. Donc, le papier de couleur, on va le faire à 14,5. Et celui-ci, on va enlever 2 mm, donc 14,5. Donc, vous enlevez à chaque fois 2 mm. Hop. On va venir le coller comme ceci. Voilà. Et on viendra la mettre sur la carte comme ça. Voilà. Pour l'instant, on a ça en chute. Il nous reste une carte et il nous reste pas mal de matière ici, mais je ne veux pas. Est-ce que ça, je peux utiliser ça? Non. Je pourrais faire des petits carrés comme ça. Ça fait combien du coup? Je vais voir si je peux pas recouper. Là, ça vient au fur et à mesure. Hein. Après, ça fait 4. C'est pour pas perdre. On va faire 5. Je vais me couper une bande de 5. Là-dessus. Et le reste, je vais le garder pour faire mes découpes. Donc, on va couper une bande de 5. Ici, pareil, on va couper une bande de 5. Non, je vous raconte des bêtises. On enlève 2 mm sur celle-ci. Et du coup, on va réfléchir pour mettre du coup ces petits carrés. Ça, je vais le diminuer un petit peu. Et je vais peut-être en coller un ou deux. Allez. Ça, ça fait combien? Ça fait 6, non, c'est pas ça que je voulais. 6,4. Et du coup, là, je vais peut-être le couper à 6,2. Je chipote, mais c'est pour pas trop perdre de papier. Puis pour que ce soit quand même un peu sympa, quoi. Voilà. Peut-être en mettre une comme ça. Et une autre ici. Bon, même si on ne fait pas la même longueur, c'est pas grave. Et je la garderai peut-être pour faire une autre carte du coup. J'ai assez de papier. Enfin, assez de papier. Il faut que je regarde puisqu'il faut que je fasse mes découpes. Donc, on va voir. Et là, du coup... Ah, j'ai envie de refaire la même longueur. J'aime pas quand c'est... On a dit combien, là? On a dit 6,4. Allez, on va faire 6,4 et le reste, je le garde pour mes découpes. On a dit 6,4. Donc là, on enlève un petit peu. Ça fait 6,2. Hop. Et on va venir les coller ici, du coup. Voilà. Hop. Et on viendra les positionner à peu près comme ceci. Ou le décaler, je sais pas, je vais voir. Donc, il nous reste ceci et ceci. Donc, avec ça, il va falloir que je fasse mes découpes là. Donc, mes découpes de papillons, les papillons ici, et une découpe aussi comme ça.
Et il vous faudra des chutes de papier blanc. Donc, vous voyez, moi derrière, c'est des vieilles chutes avec un côté qui est. Il y a des dessins dessus. Et l'autre, oui, c'est blanc. Et du coup, en chute, bah, je les utilise pour faire des petites découpes comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes cartes, enfin mes cartes, non, avec mes dies là-dedans. Je vous retrouve tout de suite, juste après. Alors, du coup, au niveau des chutes, parce que j'ai fait toutes mes découpes, voilà. J'ai fait mes quatre découpes papillons et mes quatre cercles. Du coup, ça, c'est bon. Je fais les jeter parce que je n'en aurai plus besoin. Et il me reste, du coup, ça en chute de papier. Donc, ça va. Avec ça, on peut refaire une autre carte, hein. Vous reprenez un peu de papier de fond. Et ça fonctionne. Donc, du coup, j'ai fait mes quatre découpes comme ça. Mes quatre découpes comme ceci. Hop, et mes quatre découpes de papillons. Donc maintenant, bah, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste à coller du coup vos morceaux de papier. Il y en avait une que j'avais dit qu'il fallait que je fasse les coins puisqu'ils étaient un petit peu abîmés. Donc là, après, bah, c'est juste du collage. Voilà, c'est pas grand chose à faire. Ça, on viendra le coller celle-ci donc au milieu. Je viens de mettre mon petit papillon, je ne sais pas où. Ici, ce sera mon petit sentiment. Comme ça, peut-être. Alors, je vais utiliser de l'encre. Moi, je vais prendre de l'encre Versafine claire. J'en ai, et elle est très très bien, celle-ci. Donc, c'est la seule chose qui n'ira pas de chez Action. Ainsi que le petit tampon, un petit coucou. Ça, c'est un tampon que j'avais eu chez AliExpress. Hop, voilà. Ça rentre parfaitement dedans. Donc, ce que je vous conseille de faire avant, c'est de tamponner tous vos petits mots. Le temps que ça sèche, c'est mieux. Donc, moi, je mets toujours un petit support dessous. C'est pour que ma carte, enfin, que mon tampon soit bien tamponné dessus. Parce que, en fait, non. Comme je vous disais, moi je l'ai fait un petit peu à l'avance, le temps que ça sèche un petit peu. Donc vous faites tous vos tamponnages, on va coller ensuite tous les papiers et on viendra rajouter ensuite bah, coller. Si je voudrais mettre aussi ceci à la fin. Des petits 3D, ça c'est pareil, hein, comment ils appellent ça? Des drops 3D que j'avais pris donc chez Action, j'avais pris, oui, j'avais pris pas mal, je crois que j'avais tout pris. Du coup, on va aussi les utiliser. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je tamponne tout ça, je colle mes papiers et on se retrouve juste après. Alors, du coup, j'ai fait mes trois cartes, on va faire la dernière ensemble. Là, je viens juste de coller mon papier. Juste dessus. Ensuite, je prends mon petit sentiment. Je viens le coller directement sur l'autre découpe. Donc là, bah, c'est à la colle, hein, tout simple. Hop, on vient bien la centrer. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors, j'ai dit que celle-ci, je la mettais comme ça. Donc, pareil, hein, vous avez juste à rajouter de la colle ici. Voilà, on va la mettre à peu près au milieu. Ensuite, donc, il me reste donc le papillon et ça. Hop. Donc,
si je fais ça. Ouais, je vais mettre ça plutôt comme ça. Donc, je viens juste coller juste le centre. Je viens le positionner ici. Et ça, je me mets un peu de scotch 3D. Histoire de donner légèrement un peu de relief à la carte. Hop. Et je viens le positionner ici. Voilà, comme ça, ça nous fait. Donc, au niveau des cartes, voilà ce que ça donne. On va rajouter, du coup, ensuite, voilà les cartes. On rajoute ensuite, donc, ici, des petits strass, parce que, bon, j'en ai pas mal. Donc là, j'ai pris celle de Disney, parce que c'est celle que j'ai trouvée en premier. Donc, on mettra des petits strass ici. Mais on va d'abord mettre... Ah oui, alors celle-ci, je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, j'ai arrondi les bords hein, avec juste une perfo comme ça. Voilà, toute simple. Parce qu'elle était un petit peu abîmée, donc du coup, là, j'ai arrondi. Et du coup, j'ai arrondi aussi sur les découpes. Enfin, sur les papiers. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on allait prendre, du coup, deux couleurs qui se rapprochent. Ça, c'est du gold. Il me faudrait un rose. J'ai celui-ci. Et alors, soit de l'argent... Même il y a un petit peu de jaune ici. C'est du pailleté, ça. Oui, c'est du pailleté. Donc, on a dit soit de l'argent, mais j'ai pas. C'est quoi ça? Non, ça c'est white. Ça c'est quoi? C'est du gold. Non, c'est pas. J'ai pas d'argent. Ah si, j'ai de l'argent. Et puis c'est pas pareil. Eh ben, on va faire ça avec ça. On va prendre ces deux couleurs là. Hop, je vais en mettre. Alors. Je vais regarder déjà celui-ci. Vous voyez, il n'est même pas ouvert. Donc, bah, c'est l'occasion, hop, de le tester. J'ai eu un peu peur. C'est un peu bizarre. Je vais regarder si c'est bon. Je vais le secouer un petit peu. Pareil, la texture me paraît un peu bizarre. Alors, conseil, faites un petit test avant, puisque je me suis fait plusieurs fois avoir... Où ça coule tellement vite que du coup j'en mets partout. Donc moi je fais des tests avant pour voir comment ça descend. Donc là c'est bon. Voilà, pour pas éviter, pour éviter que vous en mettiez partout sur votre carte. Ce serait vraiment dommage. Donc du coup on va mettre des petits drops 3D. On va mettre plus d'abord du rose. Donc vous en mettez un tout petit peu. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Ensuite, je vais mettre celui-ci au milieu. Hop. J'en mets un tout petit peu comme ça. Une fois que vous avez mis ça, vous venez taper votre carte. Parce que vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez voir. C'est comme ça. Et quand vous allez taper votre carte, ça va s'aplatir. Vous voyez, et c'est beaucoup mieux. Et ça rajoute un petit peu à la carte. Donc ça, on va faire ça sur les trois cartes. Je vais mettre ça en bas. Je vais mettre pareil comme ça. Un tout petit peu. Alors vous pouvez en mettre plusieurs. Moi j'aime bien en mettre trois généralement sur les cartes. Je trouve que ça fait sympa. Et puis, bah, c'est pareil. Hein, ça permet d'utiliser ce genre de produit. J'ai pratiquement toutes les couleurs. Donc, bah, autant les utiliser. Là, sur des cartes, c'est très bien. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, il faut laisser un petit peu sécher, bien évidemment. Je vais les mettre assez éloignés, sinon je risque de faire des bêtises. Bah, je vais continuer sur la même lancée. Je vais les mettre en bas. Ah, j'aurais dû mettre avant les demi-perles, peut-être. Bon, on va essayer de ne pas faire de bêtises après. Hop. Et ici, pour la troisième. Hop. Et vous venez bien tapoter comme ceci pour que ça se forme bien.
et pour que, vous voyez, ce soit bien aplati. Donc je fais ça sur la dernière et après on met les petites demi-perles. Alors du coup là on va passer ensuite à la pose des demi-perles. Donc vous prenez les demi-perles que vous avez. Moi je rajoute toujours un petit peu de colle. Donc là, je vais en mettre deux. Je vais mettre deux petites demi-perles. Donc faites attention parce que là, c'est pas sec. Hop. Et je viens les mettre ici. Et puis ma carte, eh ben, elle sera finie. Voilà. Alors, c'est simple. C'est des cartes qui sont simples. Mais comme je vous ai dit, j'essaie d'utiliser un max le matériel que j'ai à la maison. Et de plus, quand vous utilisez des produits que vous avez chez vous, ça vous évite d'aller retourner chez Action pour acheter plein de choses aussi. Donc voilà, ces petites cartes. Donc vous avez la première. Hop, vous avez celle-ci. Je fais attention pour pas que je touche les drops là, sinon ça va être la misère. Et vous avez celle-ci, la dernière, voilà. Alors moi j'ai mis un petit coucou, mais vous pouvez rajouter bien évidemment ce que vous voulez au niveau des tamponnages. C'est, voilà, comme je dis, histoire d'utiliser un peu les produits. Et si vous faites pas mal de cartes, du coup, vous pouvez les feuilles comme ça, là-dedans. Si vous faites à chaque fois 4 cartes, avec ces blocs de papier, on peut aller très vite hein, pour les finir. Celui-ci est très très joli, hein, ce bloc-là. Je vais peut-être en faire une autre petite série, je ne sais pas, je vais voir. Mais voilà, ça vous donne des idées pour utiliser les produits qu'on a dans nos fonds de tiroirs et dans nos placards. Les produits de chez Action, parce que on achète beaucoup, mais bien souvent, on n'utilise pas les produits. Donc, une petite idée pour utiliser ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre, voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, si je dois vous en refaire ou pas, ou vous donner des idées, voilà, ou moi vous donner des idées. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!